était une fois un prince. Un prince qui voulait parler. Il vivait paisiblement dans un magnifique royaume, rempli de bonheur et de sourires. C'était un enfant comme tous ceux du royaume, que ses parents aimaient plus que tout. Un jour, par le plus grand des hasards, il eut la chance de recevoir le plus merveilleux des cadeaux. Une magnifique couronne de prince. C'était un prince chanceux. Toute sa vie, il apprit à traverser le royaume de long en large pour rendre service à ses proches. Il possédait or et trésor, mais il lui manquait le pouvoir de parler. Et à quoi bon être prince si on ne peut pas s'exprimer? Dans son royaume, tout le monde l'adorait, de la plus douce des dames au plus valeureux des chevaliers. Il pensait, rêvait et vivait, mais face aux habitants du royaume, il se taisait. C'était un prince qui voulait parler. Parfois, il rêvait. Il s'imaginait vivre paisiblement dans un magnifique royaume rempli de bonheur et de sourires, traverser le royaume de long en large pour rendre service à ses proches, posséder or et trésors, penser, rêver, vivre et parler. Mais à quoi bon parler si personne n'est là pour écouter? Alors un beau jour, alors qu'il marchait, pensait, vivait, rêvait, il décida de convier les habitants du royaume à une grande fête qu'il organisait dans son château. Il allait enfin pouvoir être entendu. Et à peine arrivé, il saisit l'opportunité, prit une grande inspiration, et devant ses invités, il se mit à parler. Il parla. Il se mit à parler. Encore. Et encore, toujours parler. Il était une fois un prince qui pensait, rêvait, vivait et pouvait enfin parler.